Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat, car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue, je fais des battements de jambes. Le vent souffle fort, il parle, je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant chaque jour plus fort. Bientôt tout cela disparaîtra. Crois-tu que les caméras du monde entier se déplaceront pour en rendre compte? Crois-tu que ce sera suffisamment télégénique pour eux, Sarah? Qu'importe. Agrippé à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paît en dessous des arbres, le ciel immense, tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba, je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas, et je palme lentement pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration, et tout ce que je connais, mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. Bientôt, je coule, je disparais, mais je n'ai plus peur car mon cœur s'est habitué. L'eau me porte, pleine de déchets. Je les ignore. Des algues mortes, je les ignore. Je ne veux rien voir de la nuit. Tout est jaune et vert trouble à ces grandes profondeurs. L'eau, de plus en plus froide, pure. Si j'éteignais ma lampe, il ferait noir. Et en dehors des bulles d'air que je relâche parcimonieusement et du plancton tout contre moi, il n'y aurait rien. Je palme encore. À cet endroit de la descente, je pense à toi dans notre lit, immobile sans doute, ou sous le prunier, en train de lire les poètes russes que tu aimes tellement, Mayakovsky, Akhmatova. Ton cœur est un buisson de lumière chaque fois que tu lis les poètes russes. Je continue de palmer, souple, toujours plus souple, pour ne pas blesser l'eau. Ne la blesse pas, vieille Elmachi. Tout en bas, le minaret de la grande mosquée. Je tourne autour. C'est si beau. Des poissons, d'autres algues, gonflées comme la chevelure des morts, les couloirs vert et or de ma lampe torche. Et plus haut, comme une aile d'insecte dans le vent, ma petite barque qui se dandine, ma petite tartelette de bois, sans oublier le soleil qui, même ici, continue de me traquer. Mon grain de beauté me fait mal, mais je ne suis plus dans la lassitude des choses ici. Je suis bien. Ce n'est pas une distance physique, c'est du temps. Je rejoins ce qui s'est perdu. Je rejoins le temps perdu. À la terrasse du café Farah, cherchant une table libre, je ne trouve que des bancs de poissons. Ils me fixent un instant avant de s'éclipser. Je remonte vers la barque. Je sauve un papillon. Tout est là. Je respire.